Perché ci rappella che la regno de ce vendredi marquera le troisième anniversaire de la décision que l'Église avait prise pour, concernant le nouveau leadership de cette Église. Donc, nous vous invitons à venir. Ce sera le temps pour nous de faire une évaluation et pour voir comment continuer, comment avancer. Et s'il y a même des modifications à faire, pourquoi pas. Donc, nous vous invitons à venir dans cette réunion. Et samedi matin à 8 h, nous invitons les collaborateurs et les collaboratrices à se réunir. S'il vous plaît, 8 h, parce que nous avons mis par mégarde quelques cérémonies initiales pour les gens qui n'ont pas pu trouver de date l'année dernière. Donc, je vous invite à venir vraiment à 8 h pour notre rencontre. Ce samedi à 2 h de l'après-midi, nous invitons tous les parents ayant des jeunes qui auront leur 18e année, cette année 2015, à se réunir avec nous, avec l'Église, à 2 h de l'après-midi ce samedi. Dimanche prochain, ce sera le 11 janvier, tous les cultes de l'Église auront le reflet du mémorial, du 5e mémorial du 12 janvier 2010. Donc, marchez donc de façon conforme parce que nous n'aurons pas de culte lundi. Et donc, les cultes le dimanche prochain sont consacrés à ce mémorial, mes frères et mes sœurs en Christ. Nous voulons vous donner quelques annonces de décès, mais nous voulons aussi vous donner le numéro de téléphone où vous pouvez demander à vos amis de recevoir, d'écouter la radio Respiration FM sur AudioNow. C'est le numéro 213 481 01 67. 213 481 01 67. Donc, si vous êtes aux États-Unis ou bien si vous avez des parents aux États-Unis, bien vous pouvez écouter les différents services de l'Église à partir de AudioNow au 213 481 01 67. Mais je rappelle que tous les cultes de l'Église sont enregistrés sur www.respirationplus.com. Quand vous entrez sur le site, vous allez sur épisode et vous verrez les différents épisodes marquant première église baptiste de Pauvre. Vous voulez écouter le dernier culte de Pâques, ou bien vous allez à la date, ou bien vous écoutez le culte. Donc, AudioNow, c'est 213 481 01 67. Et nous profitons de cette occasion pour saluer le directeur de la radio, notre frère, notre collègue, le pasteur Emmanuel Nouristin et toute l'équipe, le staff qui s'est mis au service de la première église baptiste de Port-au-Prince, au service de l'église, au service de Jésus-Christ, au service de l'évangile. Nous annonçons avec infiniment de peine la nouvelle de la mort de frère Maurice Pierre, survenu le 1er janvier 2015 à Port-au-Prince à l'âge de 69 ans. Les funérailles du regretté Maurice Pierre auront lieu à la première église baptiste de Port-au-Prince le mardi 6 janvier 2015 à 8 h du matin et le cadavre sera là vers 7 h. Le défunt était membre de l'église et était accéléré à la congrégation de Bois-Piquant. Nous annonçons avec un climat de peine la nouvelle de la mort de
Paulette, Bozille, Belfort, qui est venu à Port-au-Prince le 31 décembre 2014. Les funérailles de ma sœur Odette Bozille Belfort auront lieu à la maison funéraire Paris-Pierre-Louis ce samedi 10 janvier à 7h du matin et le cadavre sera là vers 6h. L'illumination se fera à Torbec et je rappelle que sœur Odette Bozille Belfort est la mère de notre sœur Claudette Belfort, membre de l'église et étudiante à la classe des moniteurs. Elle a dû prier aux yeux de l'Éternel la mort de ceux qui l'aiment et console les uns et les autres. Ce sont là les annonces provisoires de l'église, mais l'annonce définitive de l'église de Jéhovah. Et comme telle, nous comptons sur lui. Père, en terre, et ainsi nous pouvons dire, Maranatha, Christ, reviens, car Christ en nous, l'espérance de la gloire. Le mois de janvier, c'est la célébration de l'indépendance de notre pays, c'est le jour des aïeux. Nous allons chanter sur l'air. Prions à Dieu pour que notre patrie, mais cette fois-ci, nous allons chanter les mérites de la parole de Dieu, de la Bible, avant d'avoir la prédication de ce jour qui sera présenté par l'un des protestants qui dominent de notre pays, un cadeau que Dieu donne à la première église baptiste de Port-au-Prince, un fils loyal de l'Église, le révérend docteur Charles Croisset Robin. Mais avant, nous chantons comme annoncé les versets du cantique Livre sacré, lumière étincelante, qui de la nuit perce l'obscurité, révèle à tout ta beauté rayonnante, et dans les cœurs fait briller ta clarté. Ô Sainte Bible, aux paroles immortelles, sois ici-bas mon guide et mon flambeau. Par toi, je vois la patrie éternelle où les élus donnent gloire à Jésus. Livre divin, ô céleste message de vérité, de justice et d'amour, conduis mes pas dans le pèlerinage ou vers le ciel, j'avance chaque jour. Les quatre versets de ce cantique sont inscrits au numéro 15 du Réveillons-nous chrétiens. Et je vous invite à vous lever et vous chanter allègrement ce cantique à la gloire de Dieu. Thank you.
En Haïti, 1816-2007. Chers pasteurs, frères et sœurs dans le Christ Sauveur, fils et filles de notre Père, en ce premier dimanche de la nouvelle année 2015, au regard du temps de faveur, de bénédiction du berger d'Israël, j'aimerais reprendre avec vous tous la belle exclamation du psalmiste consignée dans le psaume 116, au verset 12. Comment rendrai-je à l'Éternel pour ce bienfait envers moi? Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours de ma bouche. Au seuil de cette nouvelle année, je souhaite de tout cœur que le pasteur titulaire de cette congrégation évangélique, les membres du corps pastoral, le très révérend docteur Abraham Louvet, et leurs familles respectives soient constamment arrosées de faveur, de grâce divine et bénies au-delà de toutes les vies. Je souhaite également que les membres du Conseil des aînés, les diacres, les diaconesses, les prédicateurs, les maestros, les musiciens, les membres de chorale et de groupe, les moniteurs et moniteurs des corps du dimanche,
le monti di